Cet épisode de Juste un gamer est une présentation de Je Rétro Répo pour un service sympathique, des prix justes et de la qualité avant quantité. Pour tout collectionneur et gamer, c'est Je Rétro Répo, la place à Québec pour vos achats rétro. Oui, Jock va l'aimer, celle-là. Oui? Quoi? Hey, c'est mieux d'être bon. J'arrive. Salut Jug, bien content de te voir! Après tu m'appelles, là, je m'en allais à Trois-Rivières, là. Ben, attends Jug, je suis sûr que j'ai quelque chose pour toi. Pourquoi tu me donnes ça? Ben, c'est un Pokémon, c'est pour ton concours, non? Cours, bondis, en avant, incante Pikachu et sauve le Poképark. Pourquoi tu m'arrêtes quand même? On s'entend pour dire en général que Pokémon, c'est principalement une franchise qui prend son importance sur les consoles portables. Et c'est pas parce que ça marche pas sur portable que ça peut pas marcher sur console. Mais attention, il faut bien doser, bien sûr, parce que bien des jeux de Pokémon sur console manquent leur marque. Est-ce que Poképark est un de ces jeux-là? Bon, premièrement, Poképark, c'est un jeu pour les plus jeunes. Puis je dirais même que c'est pour initier les plus jeunes à la franchise de Pokémon. Mais est-ce qu'un adulte qui a grandi avec la franchise Pokémon peut en sortir quelque chose. Poképark Pikachu's Adventure, c'est un jeu d'aventure où on incarne Pikachu qui tombe dans un monde complètement peuplé par seulement et uniquement des Pokémon. Dans ce monde-là, disons que Ash et compagnie ne sont pas les bienvenus. On pourrait comparer Poképark un peu comme un genre de Mario Party avec un élément d'aventure très prononcé. En fait, il y a quand même une histoire dans le jeu. Au début, Venusaur interdit aux Pokémon qui habitent dans sa région d'avoir du fun. Et oui, Venusaur est le plus gros boss de la place. Ils attendent de pas l'écœurer. Pour le convaincre qu'avoir du fun, ben, c'est le fun. Ben, on fait des compétitions comme de la course par exemple, où il faut brasser la Wiimote comme un débile mental pour faire avancer Pikachu. Ouais, c'est ça, va-t'en donc là-bas. Il y a aussi des sauts aux liens. Et bien sûr, ça serait pas Pokémon s'il n'y avait pas des combats. Parmi les autres activités, il y a aussi des mini-quêtes, comme aider Bidoof à faire une maison sur la rivière pour qu'il puisse amener son frère Bidoof, sa sœur Bidoof et le reste de sa famille Bidoof. Bref, Bidoof. J'ai particulièrement trouvé les combats intéressants, parce qu'au lieu d'être tour par tour, c'est en temps réel. Bon, c'est pas aussi évolué que les vrais jeux de la franchise, mais c'est quand même un bon début. Pour pouvoir choisir d'autres Pokémon pour les nombreuses activités, il faut jouer avec les autres Pokémon comme à cache-cache, et ensuite on devient ami avec eux. Donc, quand on arrive dans une activité comme la course,
ben on peut choisir avec quel Pokémon on veut faire la course. Chaque Pokémon a des forces et faiblesses différentes, ce qui nous permet de battre nos scores avec le meilleur Pokémon possible. Là, je reviens à ma question du début. Est-ce qu'un adulte qui a grandi avec la franchise Pokémon peut en sortir quelque chose? Je pense que pour apprécier ce jeu-là en tant qu'adulte, il faut vraiment, mais vraiment aimer la franchise Pokémon. Prenez-moi par exemple, j'adore Pokémon, mais pas assez pour apprécier PokéPark plus que 30 minutes à la fois. Mais pour un jeu fait principalement pour les enfants, c'est génial. C'est facile à manipuler en ce qui concerne les contrôles du jeu. Très simple à comprendre pour ce qui est des objectifs, et il n'y a rien de trop compliqué à faire dans le jeu autre qu'avoir du fun. Mais en somme, c'est quand même bon de l'avoir dans sa collection de jeux de Pokémon. Une collection que je semble avoir commencé moi-même, sans le vouloir. Oh mais Jug, vu que tu t'es forcé à jouer à PokéPark, j'ai quelque chose pour toi. Viens voir ça. Ce que je vais te donner, Jug, là, ça va être très utile. Fuck yes! Et c'est maintenant le moment de vous rappeler qu'il y a présentement un concours Pokémon avec Juste un Gamer. Les instructions sont sur justeungamer.com, mais c'est bien simple, chaque vidéo de Pokémon qui sort d'ici le mois de novembre, et vous verrez toutes les vidéos éligibles sur justeungamer.com, eh bien, laissez vos commentaires sur la question du vidéo et soyez inscrits à la chaîne de Juste un Gamer, et vous courez la chance de gagner une des deux copies du jeu au mois de novembre. Le tirage se fera au cours d'un podcast accrodesjeux.com. Et oui, vous pourrez donc gagner Omega Ruby ou Alpha Sapphire. Donc, une participation par personne par vidéo et bonne chance! Et la question du mois pour ce vidéo de Pokémon. Avez-vous déjà écouté la série de Pokémon avec Ash et compagnie? C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez aimé ça, laissez vos commentaires en dessous du vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook en cherchant Juste un Gamer ou aller sur accrodesjeux.com et discuter avec nous sur le forum. Alors, à bientôt!